très nombreuses années. Et ce qui a rendu un sujet difficile, dans le contenu que vous voyez ici dans la thèse, il a rendu, comment dire, assez fluide, assez facile pour un homme initié. Encore merci. J'ai aussi une petite remarque à propos du. Plutôt une proposition à propos du manuscrit, donc je ferai en dernier. Alors, sans trop tarder, je passe la parole à l'examinateur, M. Amal Akoba, qui a eu la gentillesse de lire et examiner votre manuscrit. Merci, M. le Président. Avant toute chose, je tiens à remercier M. Boudjoli pour sa présentation qui me semble et pour son respect au temps réglementaire. La reconnaissance automatique parentale va devenir une modalité juridique universelle. Le sujet entrepris par M. Boudjoli est l'actualité, puis cette modalité morphologique innovatrice qui traite des empreintes, des articulations des doigts. FKP, paraît très prometteuse par rapport aux résultats obtenus dans votre présentation. Je commence par l'aspect formel de votre thèse. Le manuscrit est bien organisé et bien structuré. Les formes de frappe se font très rares dans votre manuscrit. Il est un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'il a à chaque chapitre. Chaque chapitre se termine par une bibliographie, ce qui rend le manuscrit plus clair. Et si on veut chercher une référence, on trouve juste après chaque chapitre. Mais ce qui est important en ce qui concerne, c'est qu'il y a aussi quelques formes de frappe. Bon, puisque le manuscrit doit être publié, on dit. Donc j'aimerais bien qu'il soit parfait, déjà il est très bien structuré, il est bien fait. Et j'ai une petite remarque, dans la page 47 et la page 48. C'est que tout ce qui était dédicace, tout ce qui n'était pas,
pas du noter. Ben, j'ai repris, c'est-à-dire ces choses en main, et j'ai numéro de mal, vous avez eu un décalage, et donc vous remettez peut-être de cette mal. Mais l'essentiel, c'est le mal seulement, bien sûr, corriger, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je le ferai. Même chose, si pas de la page 62, en principe, il y a 3.4, page 62, à la base de 3.5. 3.4 à la place de 3.5. Là, 3.3 pour le prochain. Page 60. Parce qu'il y a un décalage, on a déjà page 60. Ah, bien d'accord. Illustration du processus d'extraction des régions détenues. Pour ne pas laisser l'espace, la figure 3-4, elle a été mise avant la figure 9. On va voir la page 60. Le système de FKT, etc. Parce que je suis pour la grandeur de la figure. Parce que sinon, il y a un paragraphe, il y a un blanc. Mais c'est parce que c'est la figure 3-4, là, c'est le là, là, c'est un élément. Un blanc que... Plutôt le inversé. C'est la table de matière, c'est la table de matière, c'est la difficulté de le total. C'est-à-dire, je prends l'espace blanc, je vais déplacer la figure. Déplacer la figure, on va le voir, parce que je vous l'avais dit, la figure de 3-2, 3-3, pour être de 3-3. Alors, la plus importante, c'est la rédaction, mais elle répond au grade, c'est mon ami, à moi. Très bien le blanc, je vais faire très bien un blanc, je pense qu'il y a rien. Je peux les faire qu'un pour faire. Ben, je crois, j'ai assisté, je crois pas, c'est. Merci, Pablo, 4.1, page 91. Donc, vous avez mentionné Pablo Lyon, pas prendre distance pour envoyer, c'est tableau 4.1. Mais c'est des fautes de frappe, c'est des erreurs. Bon, j'ai terminé avec l'aspect formel de votre thèse. J'ai quelques questions de fond sur votre approche proposée. Donc, comme tout système de reconnaissance biométrique, votre système est subdivisé en deux grandes parties. Nous allons voir la partie extraction des paramètres et le classifier. Donc, à partir des études récemment publiées concernant l'efficacité des descripteurs MISIF, donc il a fait ses preuves déjà par rapport à la reconnaissance faciale, comme il a présenté M. Bradley, il résout efficacement le problème de luminosité, c'est une différence de luminosité et d'obscurité. Donc, si j'ai bien compris, vous avez utilisé le MISIF comme descripteur dans votre approche pour la reconnaissance des empreintes par mer. Vous considérez l'empreinte par mer comme si c'est des ondes de texture. Voilà. Donc, vous avez pris, c'est-à-dire l'empreinte par mer. Vous l'avez subdivisé en parties et chaque partie elle contient des textures. Voilà. Puisqu'il est très efficace en détection de textures. Et d'après l'architecture de votre descripteur, qui m'a présenté juste avant l'application du filtre MISIF, il y a tout un traitement qui me semble être adapté à chaque base de données utilisée. Puisque vous avez utilisé 4 parties. Oui. Ou avant d'appliquer le MISIF, vous faites un traitement. Donc, est-ce que concernant le traitement, justement, ce qui est, la question qui me vient, les questions qui me viennent à l'esprit, est-ce que vous procédez à la détection automatique des régions d'intérêt voilà. Est-ce que vous procédez automatiquement pour déterminer les régions d'intérêt ou bien
sélection manuellement. Vous avez estimé à l'état de bingo, par exemple,
à charge de calculer pour le distributeur par rapport aux autres, en parlant, en donnant des spécificités sur l'ordinateur utilisé, L5, et voilà. Donc, normalement, j'ai bien aimé voir le nombre d'opérations qu'est le filtre, qu'est le descripteur, voilà. Filtre 1000 multiplications pour avoir le même résultat et 50 000 additions, etc. Je me compare par rapport à ça. Le calcul des ordres d'opération, c'est, je pense, quelque chose de. Là, on dispose d'outils de calcul très puissants, parce qu'il y a d'autres utilisés, ouais, et que vous tous ne disposez pas de licence, mais lorsque parce que j'ai connu un peu de l'intervalle, merci bien sûr, l'unité sur station, justement, il y a tout de suite un lycée d'avoir, un lycée simple, juste pour faire autre chose. On a cité la guerre enseignement, parce que même l'état de là, qui est à l'intérieur de la complexité de calcul, il cite les machines et la version du logiciel utilisé, les FMATLAB, ou qui est de instructions qui te permettent d'obtenir le temps du milieu et le fin des opérations. C'est ce qu'on a fait. Et on a effectué ça sur 200 opérations successives, comme la moyenne, et comparé ces résultats par rapport à ceux donnés dans la publication. Okay, merci, M. Doudi. Je passe la parole à M. le Président. Alors, merci M. Omar Touba. Alors, sans trop tarder, la parole est donnée à M. Je remercie d'abord Monsieur le Président. Je vais d'abord remercier Monsieur Benjoudi pour son travail de thèse. Il a fait déjà deux versions, et une version améliorée. Donc ça c'est avant soutenance, c'est un travail quand même considérable. Je le remercie également pour sa présentation, parce que ça a été vraiment, comme l'a dit M. le Président, pédagogique, effectivement, parce qu'il a mis le tableau, il a mis ses figures, il a expliqué de manière vraiment plus ou moins approfondie, c'était bien. Je vais également remercier Sebo Roba pour m'avoir invité, ou bien pour m'avoir appelé pour examiner ce mémoire. Et voilà, donc concernant un petit peu la phase de remerciement. Bon, comme dans tout travail de thèse, on va commencer d'abord par quelques remarques. Et par la suite, on va passer un petit peu aux questions, mais ou bien de manière un peu, même si désordonnée. Bon, alors ma première remarque, c'est concernant la liste des abréviations qui n'existent pas. Je n'ai pas vu dans la version, surtout j'ai vu la version Q. Ouais. Et la suite à l'heure, maintenant, vous avez beaucoup d'acronymes. Voilà. Vous voyez, BBCIF, il y en a plusieurs. White, le DMDA, etc. Si c'était au début du travail de thèse,
Mais là, on sort de l'achat, c'est bon. Vous allez soutenir. Vous allez soutenir le E, ou bien on garde le E, ou bien on garde le O, ou là, on enlève le O, là, je ne sais pas. Mais pourquoi E ou? Parce que E ou, c'est un conditionnel. Concernant ce titre, le démarrage, quand on va être flash, on est bien. Oui. Oui, bien sûr, on commence sur la veuve. Voilà. Articulation des droits, FKP, etc. Je remarque que dans le dernier chapitre sur les simulations, je ne trouve pas. Bon, donc là, nous allons dire un feedback vers le titre. C'est-à-dire que, quand nous présentons le dossier, vous auriez pu changer le titre. Il y a un canon de sécurité. Oui, c'est un canon de sécurité. Là, si. Réalité, c'est un canon de sécurité. C'est la demande. Il y a des chantiers que, bon, bien sûr, chaque CSD. Chaque CSD a un référentiel, mais quand on demande de changement du titre, lorsque le titre, bien sûr, marche le travail initial, c'est votre cas, marche bien, et on va seulement baisser la partie qui a été travaillée, mais pas forcément de faire ça. Donc, même si pour moi, je pense qu'il le sait, on peut faire passer devant le CSD. Un changement de titre, à la fin du dossier, on va aller là où il faut que. Il y a en deux sessions parce que c'est un des CSD, il faut que le journal soit classé. Donc, le CSD, tu m'as changé. Le CSD, ok, c'est une réponse. Mais vous auriez pu le faire. Comme ça, tu m'as fait. Ben, j'ai là, on s'accepte à l'articulation, on veut le voir. Fais bien, c'est le jeu. Bon, c'est juste aussi une remarque. Pour la... Bon, vous avez un détecteur de thèse, un thème. Tout un système pour voir comment on peut faire ça. Bon, roche la page sur la thèse de l'origine. Parce que maintenant, bon, je vais travailler disons, avec les deux. L'ancienne, c'est la page 13 et la nouvelle, c'est la page 17. Donc l'ancienne, c'est la page 13 et la nouvelle, en principe, c'est la page 17. Bon. Dans laquelle vous écrivez l'organisation du mémoire, chapitre 1, chapitre 2, ok? Bon, alors chapitre 1, les systèmes biométriques de la main, deux points. Ce chapitre présente une vue d'ensemble des différents systèmes biométriques de la main, etc. Ok? Donc, à travers la première phrase, il y a pas chapitre 1. Fait chapitre 2, où je t'en méthode et technologie de la biométrie de la main, deux points. Nous commençons dans ce chapitre par l'exposé d'une vue d'ensemble de toutes les technologies biométriques de la main, etc. où on nous explique. Bon, ce que je vois, c'est que le chapitre 1 ou 2, c'est en quelque sorte c'est le même topic. Il y a toujours, vous parlez technologie des biométriques de la main, avec historique, avec ça. Voilà, je fais deux chapitres qui veulent dire la même chose. Point de vue fort, c'est pas une question. Point de vue fort. Parce que quelque chose de la thèse que vous avez fait bon, jusqu'à 6 chapitres, c'est un peu beaucoup. D'autant plus que lorsque je vois le chapitre 1 et 2, c'est concaténé. Il y a un à fond. Je peux commenter.
Oui, oui, bien sûr. Il y a une inscription, il y a deux termes, une petite pause. Quoi, bien mieux. Ça qui est à la carte, bien sûr, vous parlez. De façon générale, on peut parler de cette salle, mais cette salle. Quoi qu'il peut l'approcher, il peut l'utiliser de sa manière. Oui, effectivement. Ça me bête, une technique, quel groupe, quand je fais la proposition, différents biométriques, ouais. Le chapitre 1, c'est tout pour travailler avec le chapitre 1. Mais quand j'ai trouvé très important de parler des problèmes, des maladies sur la main, etc., chose qui n'a rien à voir avec la technologie utilisée dans le système. Mais deux choses. Ne serait-ce que la transforme les chapitres. Ça, vraiment, ça va être le problème. J'ai jugé, bon, déjà vu, tu m'as accordé deux parties différentes. Que de faire un seul chapitre de 40 ou 50 pages. Donc bon, tout c'est un peu plus. Oui. Bon. Fais la page juste après. Donc, il faut lire la page 14, ou bien la nouvelle version, c'est la page 18, je pense. Bon, le chapitre 3 et le chapitre 4. On aura toujours les définitions des Yanni. Vous expliquez les chapitres. Bon, le chapitre 3 qui est accepté, reconnaissance des empreintes d'articulation des doigts, FKP, ce, bon, deux points. Ce chapitre donne un bref aperçu sur la reconnaissance par les empreintes FKP. Bon. Maintenant, le chapitre 4, qui est de reconnaissance, je lis ce que vous avez écrit, reconnaissance biométrique par l'empreinte par l'humain, deux points. Dans ce chapitre, nous avons commencé par l'exposé d'un bref historique sur la reconnaissance biométrique par les empreintes par l'humain. Oui, l'ancienne, oui. L'ancienne, la technologie. Je sais pas. Bon, je ne peux pas la page 18. Je ne sais pas. Bon, mal.